Chinois, les Guinéens de Boko Haram, ont attaqué ces postes. C'est un régiment qui dépend du sous-secteur numéro 2 de la force mixte multinationale. Il y a eu des combats grâce à nos braves forces de défense et de sécurité. La situation est aujourd'hui maîtrisée. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de martyrs et des blessés aussi. Je voudrais rendre un hommage vibrant à nos martyrs, que le Dieu Tout-Puissant accueille leur âme dans son vaste paradis, et un prompt établissement pour les blessés. Je voudrais aussi présenter mes sincères condoléances aux familles des martyrs. J'ai décidé de venir avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major et tout le monde, mon âme de grande formation, pour constater, de viser ce qui s'est passé et prendre des mesures. En tant que président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la sécurité nationale, j'ai décidé de traquer ces illuminés jusqu'à leur dernière base. Je voudrais rassurer le peuple tchadien que nous allons traquer ces illuminés qui ont endeuillé beaucoup de familles. Nous allons traquer jusqu'au dernier. Nous allons traquer où qu'il aille, nous allons le suivre. Nous allons le poursuivre, les éliminer un à un. Ils vont voir dans quelques jours la foudre de l'armée nationale tchadienne.